Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Très bien. Là, les gens doivent être mêlés, là. Ben, d'abord, bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire oui, d'amour. En effet. On est au mois de juillet. Oui. Mais on sait que dans beaucoup de terrains de camping, c'est Noël en juillet, le Noël des campeurs. Et on a décidé de fêter ça à notre façon. On a remis le petit décor de Noël, comme ben, vous voyez. Oui, ben oui. Parce qu'on a voulu, à la demande générale, vous repasser cette émission qui est passée dans le temps de Noël, en décembre dernier. Bien, en décembre, avec oui, celui qui est si populaire maintenant, qu'on aime tous tant, David Thibault, oui, qui nous avait donné une entrevue d'une profondeur incroyable. Et vous savez tout ce qui est arrivé après, son succès ben, qui oui, ne finit plus de finir. Et on est très heureux pour lui. Et vous allez voir aussi dans l'émission d'aujourd'hui, qui nous fait évidemment deux très, très belles chansons. Et vous, vous avez fait la tournée avec moi, j'ai fait la tournée, puis j'ai vu cette garçon. Oui. Et ce jeune, savez-vous, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il m'a demandé quand j'étais en Terre Sainte? Savez-vous quoi? Il m'a demandé un chapelet. Et je l'ai avec moi. Et vous allez l'avoir. Et voilà, c'est un... Alors, on prend le temps d'écouter cette émission aujourd'hui avec David Thibault, qui était diffusé en décembre dernier. Bonjour, Guylaine. Bonjour. Merci d'être là. Allô, ça David. Fait plaisir. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps, même si tu es encore très jeune. Comment ça a commencé, cette passion pour Elvis? C'est rare quand même, pour un jeune de ton âge. Pour Elvis, en fait, c'est mon grand-père maternel, excuse-moi. Il aimait beaucoup Elvis, puis quand il est décédé d'un cancer du foie, en 2008, c'est là que j'ai commencé à m'aventurer dans la musique d'Elvis. Ma mère avait un CD à la maison, donc j'ai demandé si je pouvais l'écouter, voir des... J'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait, donc mais j'ai cliqué tout de suite sur la musique, puis je me suis mis à jouer de la guitare. Jouais déjà un peu de guitare là, au début, mais je me suis perfectionné avec les cours de musique à l'école et tout. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à chanter aussi, puis au début, c'était pas à la perfection. Aujourd'hui encore, j'ai du travail à faire, mais je me perfectionne à tous les jours. Et comment tu as vécu ça, cette vague là, depuis un an qui est arrivée d'une rapidité spectaculaire? Comment tu as réussi à rester équilibré là-dedans? Bien, c'est sûr qu'au début, on ne s'attend pas à ça, puis c'est difficile par bout émotionnellement. Même, je dirais physiquement, parce que des fois, il fallait se lever tôt, vraiment de bonne heure, pour, surtout les avions, quand on a mmh, voyagé pour les émissions aux États-Unis. C'était assez... on était vraiment fatigués, rendu à la fin. Mais je crois que il y a aussi la foi là-dedans. La foi, rester les yeux gardés sur Dieu. Mm-hmm. Parce que c'est lui qui met chaque personnage dans notre vie pour qu'on puisse avancer le mieux. Tu vas me dire, tu as 17 ans, ça m'a tellement touché de voir la foi que tu as. Ça t'est venu comment, cette foi-là? Parce que c'est pas une petite foi, là. Hein? On voit que c'est sérieux, là. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai lu que tu as donné ta vie au Christ. Oui. En fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand j'étais plus jeune, même bébé dans mon garage, on allait à l'église, moi et ma mère, puis mon père aussi. Puis, mon père est chrétien aussi, donc il lit souvent la Bible, il est souvent là-dedans. Puis, il m'en parlait aussi. Puis, au début, j'étais curieux. Tu sais, mm-hmm, je voulais savoir... C'est qui ce personnage-là? C'est qui Jésus-Christ? C'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Puis je me suis informé auprès de mon père, puis on en parle souvent, moi et ma mère. Puis un jour, mon père m'avait expliqué que pour être sauvé, il fallait donner sa vie au Seigneur. Puis il m'a dit, mais il faut être prêt. Puis au début, j'étais pas vraiment prêt. J'étais pas sûr, je savais pas qu'est-ce que c'était exactement. Mais un jour, j'ai dit à mon père... j'aimerais donner ma vie au Seigneur. Puis c'est là qu'il m'a dit, t'es sûr, t'es prêt? Là, j'ai dit oui. Puis avec mon père, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis le reste des années, ça a changé ma vie. Puis je me souviens aussi, un soir, j'étais dans mon lit avant de me coucher, puis je lui ai dit, j'ai parlé, j'ai dit, j'aimerais ça vous connaître un peu plus, j'aimerais ça... savoir qui vous êtes, j'aimerais ça que vous rentriez dans ma vie, puis... Ben, c'est beau, hein? Oui. Faut m'arracher les larmes, ça continue. Non. Parce que je trouve ça vraiment touchant. Vous l'avez vu grandir, évidemment. Oui. Est-ce que j'ai bien lu que
avant que ça se passe l'année dernière, là, il avait vécu une retraite de 48 heures en silence. Oui. Avec... Par choix, tu avais décidé ça? Oui, en fait, c'est une... C'est rare pour un adolescent, là. C'est comme une activité avec l'école, en fait, puis avec, avec une sœur qui s'appelle sœur Denise. Puis elle organisait ça à chaque année. C'est un 48 heures qu'on fait dans un... C'est comme un genre de retraite fermée, okay. C'est comme un couvent, je pense. Dans un couvent, oui. Non, c'est pas les... Non, c'est dans un couvent, avec... Il y a une petite chapelle là-bas, puis tout. Puis je me suis inscrit parce que je voulais savoir de quoi ça avait l'air. Puis j'ai pas regretté, pas une seconde. C'est extraordinaire. T'as d'autres personnes, oui, qui participent, mais en même temps, t'es comme retiré des autres, puis tu... C'est un moment de réflexion assez intense, je dirais, puis c'est fantastique. Et dans la rapidité où ça a été, bon, je pense que ton vidéo avait été vue 10 millions de fois sur YouTube. T'es allé à Ellen DeGeneres aux États-Unis, t'es allé à Graceland aussi, ça c'est bon. Oui. Est-ce que ta foi t'aide à garder les pieds à terre, à ne pas partir en peur? Oui, oui, comme j'ai dit tantôt, si je vois que je dérape un peu trop puis que je m'éloigne un peu de lui, ben j'essaie de me concentrer plus à lire la Bible un peu plus souvent, puis j'y demande, Seigneur, abandonne-moi pas, tu sais, je veux rester avec toi là-dedans parce que c'est toi qui m'a mis là, c'est pour rien. Donc, c'est selon votre volonté, puis, ouais. Et vous, quand tout ça est arrivé, est-ce que vous l'avez appuyé immédiatement? Immédiatement. Oui. Mais il va beaucoup par la prière aussi. Le jour du 9 décembre, où ce qui est passé à la radio, où ce que la vidéo a été vue, puis tout, avant de débarquer de la voiture, moi et David, on l'a dit, avant de rentrer à la radio, on l'a pris nos mains dans l'auto, puis on l'a prié. On l'a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, on passe à la radio, puis tu as un plan pour David, on c'est ta volonté, puis on te laisse entre les mains, puis le fait que ça touche plusieurs personnes, puis oui, ça en a touché un. Oui, c'est ça qu'on a demandé, parce que moi, je ressentais une vague, j'ai dit, je sais pas, je ressens quelque chose, puis Seigneur, je sais pas si c'est mon instinct de mère ou si c'est toi qui me déposes de quoi dans mon cœur, mais on te remet ça aujourd'hui. Puis c'était vraiment fort, la vague que je ressentais. Puis effectivement, que on a vu ce que ça a donné. Oui. Bon, on sait que le show business, on ne se le cachera pas, c'est parfois un milieu qui est dur, qui est superficiel, où la foi est très loin. Est-ce qu'on a essayé de te convaincre de ne pas parler de ta foi? Non, là-dessus, non. On n'a pas eu vraiment de restrictions là-dessus, mais c'est sûr que... comment je pourrais dire? Je vais pas le crier partout, c'est certain, parce que sinon les gens vont se retourner de bord. Mm-hmm. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Si tu parles de Dieu, ils vont dire c'est n'importe quoi, c'est passé, ça. C'est, Dieu est mort. Mais non, il est pas mort, au contraire. Puis, mais moi, je pense que Dieu m'a mis sur ce chemin-là pour toucher les gens, mais d'une certaine façon en particulier. Donc, quand ils viennent voir leur spectacle, ils ressortent de là, puis ils sont émerveillés de voir ce que ça a donné, mon spectacle, puis ils sont heureux, puis c'est ce que je veux, c'est qu'ils oublient tous les petits tracas de leur journée qu'ils ont eue. Puis, ouais. Et comment tes amis de ton âge voient ça, que t'es la foi comme ça, s'ils le savent, là? Parce que c'est rare, quand même, là. C'est surtout une foi comme ça, là, solide, là. Ouais. J'en parle pas souvent. Je dois avouer à mes amis, c'est pas un sujet dont je parle beaucoup. Mais ma famille, oui. J'en parle souvent avec ma mère, mon père, un peu mes frères et mes sœurs. Puis, ouais. Sinon, ben, j'ai peur qu'ils s'éloignent de moi à cause de ça. Mm-hmm. Mais. Mais ta foi est assez solide pour jamais lâcher, là. Ouais. Et je lisais sur toi que tu trouves que. La jeunesse d'aujourd'hui, on passe à côté de quelque chose. Est-ce que j'ai bien lu? Oui. Surtout avec la foi, c'est sûr. Avec la musique aussi, je dirais. Mm-hmm. C'est sûr que la musique la musique d'autrefois, pour moi, c'est la vraie musique. Mm-hmm. C'est comme le début d'une nouvelle ère de musique.
Puis avec seulement quelques instruments, on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Mm. Aujourd'hui, il y a plein de technologies partout. Oui. Puis ça me... Je sais pas, je suis moins attiré par ça. Je suis plus attiré par les années 50 et 60. Mm. Puis par rapport à la foi, ben je dirais aussi que le monde sont ignorants. Je trouve ça triste en même temps parce qu'il y a du monde qui aurait tellement besoin du Seigneur, puis ils savent pas où aller. Ils ne connaissent pas, malheureusement, ils ne connaissent pas comme il faut. Ouais. Et votre relation a l'air très belle, tous les deux, je vous voyais avant l'émission, vous êtes très proches. Oui, très. Vous n'êtes pas inquiète lorsque ça va encore partir encore plus fort pour lui? Bien, on... C'est une moment. Ouais, oui, oui, c'est sûr que des fois, ça m'amène un stress, mais je me dis non, il y a un chemin de tracé. Puis il faut tout le temps que je me parle puis que je me ramène à ça, que... Il y a un plein pour lui, puis je répète, David, oui, il arrivait ça, ou on l'a rencontré telle personne, ou on s'en va là, parce que on va le voir, on le voit toujours, on voit toujours un signe, quelque chose qui nous fait... Ouais. Avec la foi que vous avez tous les deux, bien, je suis certain que ça, vous allez protéger toute votre vie, et David, moi, je te souhaite que tu restes simple comme tu es là, et je suis sûr que tu vas avoir un succès grandiose. Merci de l'indiquer, et on va écouter cette chanson qu'on connaît tous maintenant, « Blue Christmas ». I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white. Well, I have a blue, 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 blue Christmas. You'll be doing all right with your Christmas of white. Well, I have a blue, 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 blue Christmas. Oh, well, I have a blue, 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 blue Christmas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charron et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Au départ de Miami, nous ferons escale à Antigua et Barbuda, Barbade, Martinique, Île-Vierge, Saint-Martin et Bahamas. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce magnifique CD. On en est très fiers d'ailleurs, de la grande générosité du bon Doc Gilles Lapointe. Le titre du CD de ce mois-ci, « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant. L'art d'affronter les difficultés. » Je vous rappelle qu'entre chaque chapitre, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est une surprise qu'il nous a fait. Il est arrivé avec sa guitare, puis il dit « Entre chaque chapitre, je vais vous faire des petits bouts de chansons. » Et je trouve que pour l'été, c'est très rafraîchissant aussi. Alors, très beau, très, très bon conseil du bon Doc. C'est avec un don de 25 $ et pour deux, un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Et évidemment, vous pouvez le commander aussi par téléphone à nos bureaux du lundi au jeudi de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi, vous savez que vous pouvez faire des dons directement sur le site Internet, c'est très rapide, le www.lavictoiredelamour.org. Bonjour, bon dimanche. Vous savez, chaque dimanche, c'est nouveau. Chaque dimanche, on avance dans la liturgie. Et aujourd'hui, nous sommes rendus au 17e dimanche ordinaire. Vous voyez, même les dimanches ordinaires, ce sont des dimanches très importants. Parce que ce que je vais vous dire, avec la multiplication des pains et des poissons, Jésus a su rassasier tous ceux et celles venus pour l'entendre. Par ce geste de partage, précurseur de l'Eucharistie, Jésus a fait beaucoup plus que satisfaire l'appétit physiologique des gens. Il a comblé aussi leur faim spirituelle. Il faut être dans les lieux pour voir qu'est-ce que c'est. D'une réalité matérielle, Jésus nous dévoile une réalité divine en se servant ce que nous possédons pour rejoindre le monde par des gestes concrets dans la foi. Aujourd'hui, quelles sont nos fins? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le matériel? Nos fins, c'est quelque chose... Est-ce qu'on manque d'amour? Quelles sont nos fins? Nos fins sont qu'on a besoin de sentir qu'il est là parmi nous, surtout dans cette victoire de l'amour. À notre tour, que faisons-nous des cinq pains? Il nous en a resté cinq. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? On doit les partager avec les autres. On doit les donner. Comme on dit souvent, donner au suivant. Donner cette Eucharistie, cet amour qui nous habite et qu'il est parmi nous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très beau texte d'Évangile et ça fait bizarre pour moi de lire ce texte-là parce que j'ai eu la chance, vous le savez, il y a un mois et demi d'aller en Terre Sainte avec Sœur Angèle et l'abbé Donald Thompson avec un groupe et on était sur le lac de Tibériade, là où Jésus a même marché sur l'eau. Écoutez bien le texte d'aujourd'hui. Pour moi, c'est très symbolique parce que j'y étais il y a à peine un mois et demi. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi Mer de Galilée. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? »
Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit des pains, et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il était sur le point de venir le prendre de force et de faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. C'est bizarre parce que lorsque je relis ce texte-là, je me revois sur le lac de Tibériade où on voit évidemment les montagnes autour. Et je veux prendre le temps aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de raconter, lorsque j'aurai le temps, un petit peu brièvement évidemment, comment j'ai vécu ce pèlerinage-là. J'ai écrit à ceux qui reçoivent la lettre du moine, aux donateurs, que je ne pourrai plus jamais être le même. Parce qu'on se rend compte lorsqu'on visite évidemment la Jérusalem, lorsqu'on va sur le lac de Tibériade, qu'on fait le chemin de croix, peu importe où on est allé, que Jésus, ce n'est pas un mythe, là. C'est quelqu'un, un homme, qui a plus de 2000 ans, est venu parmi nous. Ce n'est pas un mythe. Et moi, je me souviens, lorsqu'on a eu la chance d'être sur le... et c'est très rare, on a eu la chance d'avoir la messe célébrée sur un bateau de pêcheurs sur le lac de Tibériade. Le bateau est parti le matin, il était vers 9h, 9h30, je me souviens bien. Et tout à coup, les moteurs se sont presque tus. Et on a fait une surprise aux gens, aux 93 personnes. On avait eu la permission de célébrer l'Eucharistie sur ce bateau. Je vais vous dire que l'émotion était à son comble, parce que là, Donald, le prêtre qui était avec nous, nous a dit, ici, on est certain, historiquement, c'est pas des affaires de foi, là, historiquement, on est sûr que Jésus est venu sur ce lac. Je vais vous dire que ça donne beaucoup, beaucoup d'émotions. Ensuite, ça a été des beaux moments lorsqu'on a tous revécu les promesses de notre baptême dans le Jourdain, là où Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Ça a été des moments, ensuite, on a eu le bonheur et le privilège d'aller sur le mont des Béatitudes. Vous savez, cet endroit, lorsque Jésus a dit « Bienheureux, vous les pauvres, bienheureux, vous les assoiffés de justice », vous connaissez les Béatitudes. Mais lorsqu'on voit l'endroit où Jésus était pour dire ces Béatitudes, c'est absolument bouleversant. Il y a aussi ce moment où il y a beaucoup de couples qui ont renouvelé leur vœu de mariage à Cana. Alors, il y a eu ça, ça a été aussi pour les couples de très beaux moments. Ils ont même reçu un certificat qui a été signé par Donald Thompson. Et évidemment, la ville de Nazareth. C'est incroyable de voir d'où Jésus vient. On a même vu, parce qu'à l'époque, ils ne vivaient pas dans des maisons comme ici, c'était des genres de cavernes. Et ils ont découvert, au niveau archéologique, là où Jésus a vécu avec Joseph et Marie. Évidemment, on voit un peu, mais c'est vraiment pas dans le luxe qu'on connaît aujourd'hui, là, mais vraiment pas. Et le moment le plus, je dois vous dire, émotif pour tout le monde, c'est lorsqu'on s'est levé à 4 heures du matin pour aller vivre le chemin de croix avec le lever du soleil, le chemin de croix exact où Jésus a vécu son calvaire. Et je dois vous dire que ça, c'est des moments que je n'oublierai jamais. Lorsqu'on arrive au Saint-Sépulcre, là où Jésus a été crucifié, maintenant, c'est bon, on peut maintenant mettre la main où la croix de Jésus était plantée, et j'ai eu ce privilège de mettre ma main à l'endroit même. Et ensuite, évidemment, on voit l'endroit où le corps de Jésus était déposé à la descente de la croix. On voit aussi son tombeau, et c'est toutes des choses maintenant qui sont gardées, évidemment, très précieusement. Et c'est là qu'on réalise que ce Jésus qu'on aime tant, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas de la mythologie, mais c'est quelqu'un qui est venu parmi nous, qui nous a assez aimés pour nous donner sa vie, et il nous a donné tellement de beaux conseils. Aimez-vous les uns les autres, et c'est lui qui nous apprend à aimer plus, à se pardonner et à ne pas perdre notre temps avec des futilités qui est la haine. Je lui demande de nous bénir de tout cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'Amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015.
sous le thème « Dieu et miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charron, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Depuis que cette émission a été diffusée, Sœur Angèle, en décembre dernier, David en a fait du chemin. Hein? Oh, juste pour vous rappeler, évidemment, il a pas gagné, il a été dans les finalistes à l'émission de Voice en France. Oui. Il arrive tout juste de la tournée. Absolument. Il vient de finir à l'Étoile 10-30. Oui, puis il a fait les années bonheur avec vous. Avec moi, c'est un jeune homme que moi, je me souviens, lorsqu'on a fait le 20e anniversaire, Sœur Angèle, dans les loges en arrière, j'avais l'impression, pendant qu'il attendait, parce qu'il est arrivé très tôt le matin, puis il passait juste l'après-midi, et de voir David seul, dans son coin. Mm-hmm. J'avais l'impression qu'il priait. C'est un petit... Il est tout jeune, là. Il vient d'avoir 18 ans. Et on voit que c'est un jeune homme très, très intérieur. Alors, Sœur Angèle, je sais que vous avez eu la chance de bien le connaître pendant les années bonheur. Oui, absolument. Et je vais dire qu'on va prier pour toi encore. Oui, mais ce petit gars-là, j'ai porté un chapelet. Et puis, il est avec moi et je vais te le donner pour continuer. De la Terre Sainte. Oui. Alors, on va écouter cette belle chanson. Écoutez bien, vous allez même voir dans cette reprise qu'il est ému. C'était la première fois qu'il la chantait. Écoutez bien les paroles. C'est en anglais, mais c'est « Pourquoi, mon Dieu? »« Why, me Lord? » avec David Thibault. Alors, c'est de très, très beaux souvenirs. À la semaine prochaine. Bye-bye. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you? Or the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Jesus, my soul's in your hand.